Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en cette belle journée magnifiquement ensoleillée du 15 juin 2020, 13h56, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, parce qu'on a vraiment des temps difficiles qui nous attendent. Mais on aura amplement de temps pour revenir là-dessus. Maintenant, ce qui est un peu inquiétant, c'est le message que j'ai reçu de José, qu'on salue, et qui semble être le suivant, que la NASA aurait manqué un astéroïde qui est passé assez près de la Terre. La NASA met en garde contre 5 autres astéroïdes qui se sont dirigés vers nous après que nous en ayons manqué un qui est passé encore plus près que de la Lune, plus près de la Lune. Parce qu'on sait que dans la dangerosité, l'astéroïde-là, c'est la distance qu'il y a entre eux et nous. Puis la plupart sont dans un registre où il n'y a pas vraiment de danger, mais des fois, il y en a qu'on manque. Ce ne serait pas le premier. Hein. On se rappelle du fameux incident en Russie, il y a quelques années de ça, où plusieurs fenêtres avaient été endommagées, d'édifices, hein, des meubles, des milliers en fait. Et il y avait eu des milliers de blessés aussi. Ça, c'était en 2014, c'est la mémoire fidèle. Donc, 4 des 5 roches spatiales dues au bourdonnement de la Terre cette semaine n'ont été repérées qu'en mai. Ce qui soulève des inquiétudes quant à la préparation de nos défenses planétaires. Pendant que nous les attrapions, nous les coupions très près si nous devions les tirer hors du ciel ou au moins les dévier, nos deux seules options pour conjurer une apocalypse astéroïde à l'heure actuelle. Heureusement, les astéroïdes dont la taille varie de 46 à 180 pieds de diamètre nous manqueront par une marge d'erreur sûre comprise entre 869 000 milles et 4,1 millions de milles. Donc, il n'y a pas de préoccupation immédiate concernant une mort de feu imminente pleuvant du ciel pour couronner les incendies de forêt, la pandémie, les crises économiques et les troubles sociaux et civils qui ont affligé la Terre jusqu'à présent en 2020. Mais, cependant, ce qui est plus inquiétant que les visiteurs célestes de cette semaine est un invité qui a visité notre arrière-cour et est reparti avant que personne ne le remarque. L'astéroïde 2020LD qui mesure 400 pieds ou 122 mètres de diamètre. Le fameux astéroïde en question est passé entre la Terre et la Lune et était la plus grande roche spatiale à le faire depuis 2011. Et personne ne savait jusqu'à ce qu'elle soit qu'elle était venue nous visiter, jusqu'à ce qu'elle soit repartie. Il nous a dépassé le 5 juin, mais n'a été découvert que le 7. Ayant atteint 80% de la distance entre la Terre et la Lune, soit environ 190 000 milles seulement, les astronomes du système d'alerte terrestre à impact terrestre d'astéroïdes ont calculé sa trajectoire après coup. Jusqu'à présent, Atlas a découvert 46 menaces astéroïdes potentiellement dangereuses, qui mesurent plus de 500 pieds de diamètre, alors que 2020LD n'était pas un tueur de planète. Il était toujours plus grand que l'astéroïde de Chelyabinsk, c'est le fameux incident dont je vous parlais, qui a fait des ravages en Sibérie en 2013. Donc, c'était Chelyabinsk, la ville, et en 2013. Selon les meilleures estimations actuelles des astrophysiciens, un astéroïde d'un diamètre de 1640 pieds ou plus devrait frapper la Terre une fois toutes les 330 000 ans à peu près. Le 13 avril 2029, l'astéroïde 99942 Apophis va brouter nos satellites géostationnaires en orbite autour de la planète avec un diamètre de 1100 pieds. Apophis n'est pas tout à fait un tueur de planète, mais il marquera l'approche la plus proche par l'un des plus grands astéroïdes connus qui devrait croiser la Terre dans un proche avenir. Ensuite, Bennu, avec un diamètre de 1610 pieds, qui offre une mince chance de frapper la Terre entre 2175 et 2199. Bien qu'il nous reste encore beaucoup de temps ici sur Terre, l'horloge tourne en termes d'organisation et d'assemblage de nos défenses planétaires d'une manière tangible. Le premier exercice prévu aura lieu en 2026, lorsque la NASA tentera de dévier l'astéroïde Psyché à l'aide d'un soi-disant